Résumé du livre, La saga d'Argyr, tome 1, Le rêve des forêts, écrit par Gérard Klein. Sur Mars, colonie terrienne devenue autonome, la tension monte. Après avoir échoué à supprimer Archim, le grand climaticien, on l'arrête, et le voici devant un tribunal secret présidé par Jon d'Argyr. Dans l'ombre, Juna, la fille de Jon, conspire pour aider le jeune savant. Elle l'aimait à foi en lui. Au procès, un ambassadeur terrien est prêt, lui aussi, à soutenir Archim et son projet, jugé criminel. Point de quoi s'agit-il? Archim a inventé un étonnant procédé capable de donner à la planète rouge des conditions d'habitabilité terrestre. Mars le refuse, la Terre l'approuve. On devine la révolution technique et mentale qu'un tel dessin implique. Point Mars, connaîtra-t-il le bonheur vivifiant des forêts, l'ombre douce des arbres? Mais ne serait-ce pas là une folle chirurgie planétaire?